Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation qui l'accompagne, vénérés chefs traditionnels de la loi, Messieurs les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs les membres des comités des parents d'élèves, Monsieur le responsable du CJ de Malouat, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, chers élèves, je voudrais d'abord vous dire merci pour votre rassemblement au CJ de Malouat ce matin. Merci pour la mobilisation. Et en votre nom à tous, je voudrais souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'État et de Togo, que tout le monde connaît bien chargé. Et malgré ces multiples occupations, il a fait un effort pour venir jusqu'à Malouat. C'est un témoignage de l'importance qu'il accorde à la coopération entre les États-Unis d'Amérique et notre petit pays. Petit de taille, mais grand en valeur. C'est ce qui exprime sa présence ce matin parmi nous. Et je voudrais remercier également les volontaires du corps de la paix qui ont accepté de venir séjourner avec nous ici dans la poussière, dans des conditions difficiles. Et je crois que c'est cette volonté qui a attiré l'attention de Son Excellence, qui a bien voulu venir voir comment nous vivons avec eux dans notre milieu ici. Et dès l'arrivée, nous avons été impressionnés par beaucoup de choses. Dire qu'un CG en Alouat qui a ce beau bâtiment, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit chez nous. Et c'est l'occasion de saluer la coopération entre les États-Unis et le projet qui a donné fruit à ce foyer. Encore un peu plus marquant, arrivé ce matin, pour voir nos enfants avec des ordinateurs, c'est chose rare chez nous. Son Excellence fait le témoigner, il a parcouru beaucoup de villages et ce n'est pas évident qu'un enfant qui a fréquenté au village, s'il n'est pas allé à Dapon, s'il n'est pas allé à Kara, il n'est pas allé à Lomé, c'est difficile de lui parler d'un ordinateur. Et à forte raison de dire qu'aujourd'hui l'ordinateur est venu jusqu'à Saint-Lambert. Il y a de quoi exprimer d'abord notre joie que la connaissance vienne jusqu'à nous. Les moyens de recherche viennent jusqu'à nous. Et je crois qu'avec ça désormais, nos enfants peuvent communiquer avec le monde extérieur sans s'inquiéter. Ce que les anciens n'ont pas eu la chance de poser avec un doyen tout à l'heure qui a dit à leur époque. On ne connaît pas ce que... D'abord, même l'ordinateur n'existait pas. On ne connaissait pas ce que c'est un microscope pour l'analyse. Et à leur époque, il fallait aller au lycée de Sopodé en classe de seconde avant de connaître ce qu'on appelle un microscope. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à cette époque. Aujourd'hui, nos enfants connaissent... Non pas seulement ils connaissent un ordinateur, un microscope, mais ils les manipulent comme si c'était... Et je crois que c'est en cette perspective que nous voulons renouveler notre reconnaissance à la coopération entre les États-Unis et Togo. Notre gratitude à l'ambassadeur qui a laissé toutes ses charges pour se déplacer jusqu'à nous pour nous montrer que, quel que soit, n'importe quel point du Togo, il retient l'attention de tout le monde. Je souhaite un bon séjour, bien que bref, parmi nous. Yeah.
voit aussi des inventeurs comme mon frère Lalé, qui est un inventeur aussi, qui, avec son couple d'électronique, a pu fabriquer un groupe qui fonctionne à trois points de l'électronique conventionnelle. Juste en utilisant la pratique de science et la science à l'école. Donc on partage tout ça. Et pour donner un exemple d'aujourd'hui, moi je m'occupe de tout ce qui est technologie, d'utilisation de l'ordinateur, on leur fait une présentation de l'ordinateur. Et il y avait ma chère Lydia qui m'avait invité tout à l'heure, qui lors de ma présentation m'avait apporté un bras de l'ordinateur qui pouvait trouver une lettre et qui pouvait prendre des choses. Donc je leur demandais si je suis producteur de pierre et que eux ils finissent leurs études et que je leur demande de me fabriquer la marche pour pouvoir prendre le pierre. Parce que le petit, ils m'ont dit que le petit ne pouvait pas prendre le pierre. Donc je leur ai demandé, quoi qu'il y ait 100 pèses, un sachet de pierre. Et ils ont tous réfléchi. Et Ida m'a dit qu'un sachet de pierre en table, ça pèse 0,5. Et c'était la bonne réponse. Parce qu'à l'école, leur professeur les apprête un litre d'eau, ça pèse 1 kg. Un kiawata, c'est la moitié de la vie. Et elle a su mettre en pratique cette connaissance pour pouvoir lui donner la réponse. Donc avec le mot-là, elle a pu faire le mieux. Et plus tard, dans sa vie, si elle devient ingénieur, docteur, sa femme, ou ce qu'elle veut être, ben je vais lui donner la parole tout à l'heure pour lui dire ce qu'elle veut être. Et elle pourra alors appliquer toutes ces leçons-là pour pouvoir apporter du changement dans sa communauté pour le Togo, pour l'Afrique, voire pour le Ghana. Nous savons que pour un trop grand nombre de jeunes au Togo, les ressources éducatives sont limitées, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, de l'art et des mathématiques. C'est un problème sérieux, car les domaines de science et technologie sont essentiels pour réussir dans l'économie du 21e siècle. La science et la technologie mènent à des innovations, et des innovations mènent à la croissance économique, et la croissance économique crée un avenir meilleur pour tous les Togolais. Nous avons donc besoin de plus de scientifiques et de physiciens togolais, de codeurs et de développeurs de logiciels. Mais comment un jeune étudiant togolais dans une région rurale du pays peut-il s'inspirer pour poursuivre une carrière dans ces domaines alors qu'il n'a jamais touché un microscope ou utilisé un ordinateur? C'est vraiment difficile. Pour surmonter cet obstacle, nous avons décidé de créer un centre d'apprentissage mobile qui apportera des activités et du matériel éducatif dans toutes les régions du pays. Merci. On l'appelle MoLab, qui est devant vous aujourd'hui. Il est équipé de kits portables contenant des expériences simples de science, de biologie, de chimie, d'ingénierie et de robotique. Il a également des tablettes informatiques à l'intérieur qui permettent aux étudiants d'accéder à Internet et de faire des exercices de codage. Il a aussi une imprimante 3D. Le meilleur de tous, MoLab a été conçu et construit par les jeunes inventeurs togolais. Et presque tous les matériaux à l'intérieur viennent du Togo. Oui. Ça veut dire que vous avez les ressources ici même au Togo. Notre espoir est que partout où Mola va, il va susciter une passion pour une carrière future dans un domaine de science et technologie. Je vais conclure avec une dernière réflexion.
La technologie est aujourd'hui plus puissante que jamais. Le smartphone dans ma poche est plus sophistiqué que tous les ordinateurs qui ont été utilisés pour envoyer un homme sur la Lune dans les années 1960. En même temps, la technologie est devenue plus démocratique. Facebook, la cinquième plus grande entreprise du monde, a été créée par un adolescent codant sur son ordinateur portable. L'imprimante 3D de MoLab a été construite par des pièces détachées et peut littéralement créer tout ce que l'on imagine. En bref, les opportunités sont immenses. Et je vous défie, la jeune génération togolaise, de le saisir. Sachez que l'ambassade des États-Unis est là pour vous accompagner. Je vous remercie. Alors, si on observe les deux solutions ont presque les mêmes couleurs, incolore, inodore. Mais on va souffler dedans. Et lorsqu'on va souffler dedans, on va constater qu'il y aura une différence. Et quelle est cette différence qu'on va avoir, les amis? Lorsqu'on va souffler dedans, qu'est-ce qu'on va constater? Oui? L'eau? Qui veut mieux dire? Lorsqu'on va souffler dedans, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Voilà, il y aura changement de couleur des deux solutions. Là où il y a de l'eau, ça va rester comme ça. Mais là où on a mis de l'eau de chaud, il y aura changement de couleur. Et on dit que l'eau de chaud se trouble. En présence de quel gaz? En présence de quel gaz? Oui? Voilà, le gaz carbonique. C'est bon? Très bien. Donc, vous allez faire les expériences. Tu prends ça. Donc vous allez souffler dedans, au moins 5 fois, et puis vous allez agiter. Oui, souffler encore dedans. Voilà, ok, c'est bon, on peut contrôler. Alors, il y a une différence. Oui, où se trouve l'eau, où se trouve l'eau de chaud? Oui, bon ami. La main gauche. Oui. C'est où l'eau et c'est où l'eau de chaud. Voilà. Vous avez vu? Bien, c'est pas trop visible là. Voilà.
C'est bien visible maintenant. Donc, on va dire que ici, il y a eu l'eau de chaud et ici, il y avait eu seulement de l'eau simple. Donc, voilà comment l'eau de chaud se trouve. Et donc, c'est une expérience qu'ils ont vue cette année à Port-de-Chine. Mais malheureusement, pas, ils n'ont pas eu de produits chimiques pour vivre cela. Et avec la présence de Mona, ils ont vu ça. Donc, je veux dire merci. J'avais enlevé ça, non? Ça là, c'est de quelle couleur? Donc ça, c'est le filament d'impression. Donc c'est l'encre que l'imprimante 3D utilise. Et comme on le dit, imprimante 3D, c'est parce que ça imprime des objets. L'objet que j'ai dessiné là-bas, je lui donne ça et il me sort ça. Il fabrique ça en plastique. Donc vous voyez, petit à petit là, le vert était passé. Maintenant, j'ai mis le noir. Il fait une couche noire. Vous allez voir qu'il ajoute ça à la couche verte. Ou bien, voilà. Donc, c'est comme quand vous prenez un pic et vous dessinez sur une feuille. Donc, il fait ça en faisant fondre du plastique. Vous voyez? Et ça, tout ça là, c'est la science. Vous avez vu avec l'ordinateur, l'ingénieur ou le scientifique, il fait des objets sur la machine. Il imprime ça. Ici, ça, c'est une machine qu'on a fabriqué, nous-mêmes ici au Togo. Ça là, on a récupéré des imprimantes datées. Ce qu'on prend pour faire photocopier tout ça là. C'est ça, on a pris, on a modifié.
Bonjour. Bon, je m'appelle Brandon. Oui, j'habite dans un petit village, Kwampipang. Je suis à CG Nawat maintenant. Et je suis volontaire de l'École de la Paix, de le secteur de la santé. Je suis allé à les petites expériences de chimie, biologie, physique. Et aussi, dans la voiture, derrière, il y a un petit emprunté et 3D. Donc, Monsieur Peggy Agnéam, directeur du CG Nawat. Nous avons reçu la visite aujourd'hui du Molamb, le laboratoire mobile, qui est venu travailler dans notre établissement avec les élèves. Nous avons eu plusieurs stands et dans ces différents stands, il y a eu des démonstrations, des activités scientifiques. Il y a l'hydrolyse de l'eau. Nous avons assisté à la démonstration de la poussée d'Archimède et beaucoup d'autres activités. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à l'ambassade des États-Unis au Togo. Merci à toutes les autorités de l'éducation nationale au Togo et précisément des autorités de l'éducation dans les savanes. Nous profitons aussi pour remercier tous ceux qui ont apporté leur concours pour que cette journée soit une journée réussie. Et vas-y. Je m'appelle Lamboni Elisabeth Moenibo. Je suis aussi jeune à l'autre. Je fais classe de 3e. Aujourd'hui, on a eu la visite des bons là. Thank you.